va parler de l'utilisation des piles plates. On aura besoin des piles plates et une ampoule. Pour allumer une ampoule à l'aide d'une pile plate, je joue à l'un des pôles de la pile en kilant et l'autre en plan de l'ampoule. Maintenant, on va parler de l'utilisation d'une pile cylindrique. On aura besoin d'une pile cylindrique et l'ampoule. On aura besoin d'une pile cylindrique, une ampoule et un fil. Pour allumer une ampoule à l'aide d'une pile cylindrique, je relie l'un des pôles en kilant et l'autre en plan de l'ampoule. Aujourd'hui, on va expliquer c'est quoi un corps conducteur. On aura besoin d'une pile, une ampoule et des fils électriques. Le corps conduit le courant. On dit qu'il est conducteur. Donc l'ampoule s'allume. Maintenant, on va expliquer c'est quoi un corps isolant. On aura besoin d'une pile et une ampoule, un morceau de papier. L'ampoule ne s'allume pas. Je vais vous présenter un circuit simple. On aura besoin d'une pile, d'un morceau de bois, des fils électriques et des vis et d'une ampoule. Quand le circuit est fermé, l'ampoule va s'allumer. Mais comme il est ouvert, il ne va pas s'allumer. Maintenant, il est fermé. Il va s'allumer. Maintenant, il est ouvert. Il ne va pas s'allumer. Maintenant, on va présenter un autre circuit simple. Quand on ouvre le circuit électrique, l'ampoule ne s'allume pas. Quand on ferme le circuit électrique, l'ampoule s'allume. Ne s'allume pas.